Et donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo loup-garou avec toute la team Crouton. Est-ce que vous allez bien les gars? Là on est en mode détente, ambiance Netflix and chill, tu vois, lumière rouge et tout. C'est pas incroyable. T'as capté, t'as capté. Du coup on va faire un petit loup-garou tous ensemble. Je vais vous expliquer les règles pour ceux qui connaissent pas le loup-garou. Il y a un mec qui va vous expliquer les règles qui va mieux le faire que moi. Et on se retrouve juste après en début de game. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, à t'abonner et on s'abonne qui sont ici. Avec la cloche. Avec la cloche. Sur ce, à tout. Voici les règles du loup-garou. C'est très simple. Le but du jeu est de survivre. Chaque joueur tire une carte au hasard pour désigner leurs rôles qui ont chacun une spécificité différente. Le but des villageois est de trouver et d'éliminer les loups-garous qui sont infiltrés dans le village. A l'inverse, les loups-garous doivent tuer les villageois. Pour cela, ils attaquent la nuit, pendant que tout le monde dort bien profondément. Vous l'aurez compris, le système de jour et nuit est très important pour la survie des villageois. Pendant la journée, chacun désigne un joueur qu'il pense être le loup-garou, et celui-ci se fera exécuter. Attention de ne pas vous fier aux apparences. Bonne chance, la team Crouton, et surtout à toi, Inox Tag. Putain, la voix a été propre, gros. Ah ouais, incroyable, en vrai. Incroyable. Il y a du budget, il y a du budget. Du coup, les refs, on a Lucas qui va faire le narrateur, du coup, il va nous distribuer nos cartes, et on va commencer sans plus tarder. Dans une ambiance sinistre, t'as capté. Oula! Oh putain, ça m'a fait une sensation. Tout le monde a sa carte, retournez votre carte. Il y a une chance sur deux d'être villageois. Déjà, faut regarder les têtes des gens. Oh, est-ce que vous avez tous Bousy? Bousy, il est trop content. Je sais pas, c'est quoi ma carte? Mais c'est pas villageois. Non. Pas dit. Ok, bref, vous avez tous pris connaissance de votre rôle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le village s'endort. Fermez tous les yeux, endormez-vous paisiblement. Par contre, quand tu réveilles les loups-garous, faut que tu sois sur un pied. T'as les deux pieds au sol, ça marche pas. Okay. Je vais appeler premièrement les loups-garous à se réveiller. Des loups-garous affamés. Des loups-garous, réveillez-vous. Oh putain, t'es loup-garou. Attends, y'a que un loup-garou. Hey, troll bien ce bâtard. Y'en a un qui a oublié tes loups-garous. Les loups-garous, je pense que vous avez faim. Est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord sur une personne que vous allez pouvoir dévorer? Je vous laisse vous regarder dans les yeux. Me désigner discrètement, le plus discrètement possible, une personne à dévorer. Sur. Est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord? Je vous invite à vous rendormir. Je vais appeler la sorcière. La sorcière, réveille-toi. Vas-y. Non, les gars, c'est pas moi. La sorcière, peux-tu me faire un signe? Bonsoir la sorcière. Cette personne a été dévorée par les loups-garous. Tu as une potion qui te permet de la réveiller, de la faire renaître. Tu as le choix de l'utiliser ou non. Je vais te demander un signe de tête pour que je puisse prendre l'information. Très bien, j'ai pris l'information. Tu as une deuxième potion qui te permet de tuer instantanément une personne. Tu as le choix de l'utiliser. Je vais te demander un signe de tête. Très bien, j'ai pris l'information. La sorcière s'endort et le village se réveille. Bah Bousy, fais pas semblant d'avoir dormi, hein, s'il te plaît. Il dit elle va pas l'air endormi, hein. Bousy, j'en ai l'air bien réveillé, quand même. Qui est-ce qui est mort? Car il y a eu un mort. Oh non. Et c'est Bousy. Bousy Valouze. Mais parce que là... Instant. C'est pas Valouze déjà. Je suis dead, les gars. C'est pas Valouze le loup-garou. Valouze, tu pleures pas. Oui, ils sont pas écoutés, frère. Je vais maintenant vous dévoiler son rôle. Pidi était villageoise. Bon, ça va, c'est pas une grande perte. On vivait sûrement dans la même maison. Ah, donc tu t'es réveillé, tu l'as mangé? Bah non. Les amis, après avoir appris la mort de Pidi, il va falloir élire un maire. Alors là, un maire qui, en cas de. Se présenter après ça. Je me présente. Aura sa voix double. Je me présente. A partir de maintenant, ils vont avoir chacun un peu de temps pour présenter leur programme. Pour choper votre vote. Je sais pas comment le dire autrement. Travailler plus pour gagner plus. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as pas l'air de t'attrister tant que ça. J'ai envie de la venger en fait, simplement. Voilà, j'ai envie d'être mère parce que bah. Je dormais sous le même toit et je savais qu'elle était. Tu veux pas être père? Je sais que je suis innocent et du coup voilà, faites-moi confiance. J'ai aucune confiance en Valou. C'est bon, merci. Tout est vraiment bizarre par contre. Inox, pourquoi on devrait voter pour toi? Voter pour moi, je vais vous expliquer tout simplement. J'étais voisin. C'est ma vidéo donc je vais être mère. J'étais voisin. C'est ma peine. Je suis voisin de Pidi. Voilà. Pas plus d'infos. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je vis sous même pot. C'est quoi ton programme? Mon objectif c'est de protéger le village et je sais que Pidi est à ma voisine si et donc j'ai envie de la protéger. Si t'es le voisin de Pidi, c'était facile pour toi de la tuer pendant la nuit. Ouh. Mais ça, ça va, on parlera pas de la nuit. On n'en est pas là. Dobby, pourquoi devrait-on voter pour toi? Parce que moi je suis persuadé de gagner le village. Mais c'est quoi ces élections de merde? Vous avez un vote, je vais vous demander en même temps de désigner pour qui vous voulez voter. 3, 2, 1, hop. C'est Dobby? Dobby, ouais. Ok, ça fait 4 Dobby. 3-3 derrière le vote Inox. Le vote Inox, ça pour? Ouais. 3-3. Ah merde. 3-3 ouais. Pierre, feuille, ciseaux. 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 Oh, Dobby.
Je peux apporter une petite réflexion. On joue vraiment la merde de notre village sur un parfait ciseau. C'est honteux, t'es t'inquiète. C'est vraiment ça votre vision d'être maire? À partir de maintenant, cas d'égalité, son vote contre double. Dobby, on fait confiance à Dobby, les gars. Je vous laisse débattre. Qui pensez-vous être loup-garou? Bah là, on peut pas savoir. Ok, bah moi, les amis, on peut pas savoir. Moi, en tant que maire, je sens très très mal. Vous pouvez me faire confiance. Mais vous pouvez voter contre Inox Tag. En tant que maire, je peux prendre ce risque de dire qu'on peut tuer Inox Tag. Mais attends, mais il y a pas de voyant. Comment ça, tu. Il y a pas de voyant, mais il y a un autre rôle. Ah, il y a un autre rôle? Bah, moi, je. Fais-moi confiance. Moi, j'ai envie de faire confiance. Je prends mon premier call. Mais toi, par contre, Michou, t'es bizarre. Mais gros, il prendrait pas autant de risques dès le premier tour. Et comment il peut être sûr que c'est moi ou c'est pas moi? Si je me suis trompé, mais je suis maire et. Comment tu fais ma confiance? Savoir en fait. Je vais pas dévot. Vous avez le seum? Je vais pas dévot. C'est tous les deux qu'on est innocents. Comment tu peux savoir qu'il est innocent? Gros, comme par hasard, on est les deux loups-garous, on va dire, on est je vous explique, faites-moi confiance. Vous votez pas Inox direct, vous êtes sérieux? T'es con ou quoi? On est en team. Si on est deux loups-garous, on va pas faire genre on est en team. Mais de toute façon, au pire, c'est pas du débat, de toute façon. Ok, c'est bon. N'arrivez pas à prendre votre décision. On va voter et si on skip, on vote là-bas, ok? Vous demandez de désigner la personne pour qui vous décidez de voter. Si je meurs, vous êtes vraiment quoi. Apo, lève la main. 3, 2, 1. À vos votes. Okay. Il a 3 votes. Valouz, pour qui tu votes? Non, j'ai pas 3 votes. Ouais, Doc. Non, pour Doc. Doc, tu votes pour Inox. Inox. Inox, quoi. Inox, tu votes pour qui? Doc. Les autres, vous votez contre Inox? C'est lui qui a 3 dans ce moment. Moi, Poum Valant. Toi, tu votes Michou? 2, 3, 4. Ouais, mais Inox, il a 3. De toute façon, Inox a 4. Inox a 3. Mais il a 3 votes. Chaud, frère. 4. Et celui du maire. Moi, je suis mort. Les amis, c'est quoi son rôle? Les amis, je suis désolé. Inox était. Inox était. Pourtant, j'avais confiance en toi, Valouz. Lugan. Tu fais semblant. Mais t'es t'as un enculé, tu sais pourquoi? Quand j'étais loup-garou, je me suis levé. Bah attends, il a mis sa main comme ça, gros. Moi je me suis dit, bon, je suis comme voilà. Les amis, le village se rendort. Je vais appeler l'unique loup-garou à se réveiller. Je suppose que t'as faim, tu as soif de vengeance. Désigne-moi discrètement qui tu as envie de dévorer. J'ai. Bien. Pris connaissance de ta décision. Je vais tout simplement te demander de te rendormir. Je vais appeler la sorcière. La sorcière, réveille-toi. Il te reste deux pouvoirs. Celui de guérison et celui de mort subite. Cette personne a été dévorée par le dernier loup-garou. Décides-tu de la sauver ou pas? J'ai pris connaissance de ta réponse. Pour le coup, il te reste un pouvoir de mort subite. La sorcière, décides-tu de l'utiliser? Si oui, sur quelle personne? Sinon, je vais te demander de te rendormir. Et le village se réveille. Les amis, la nuit fut encore une fois sanglante, puisque Doc Jazzy nous quitte. Oh, pourquoi Doc? Ah oh, mince. Stratégiquement, c'est con de tuer Doc. Ouais, c'est con, mais tant mieux. Donc le loup-garou est con. Je vais maintenant vous dévoiler quel était le rôle de Doc. Doc était, encore une fois, le la joie. Un de mes collègues. Oui, Valouz. Toi, fais pas style, hein. Oui, Valouz. Il est maintenant temps de débattre. Je suis désolé hein, de vous le dire, mais faites confiance au maire et moi je vous dirais de voter contre Apolline. Attends, pourquoi? Eh, tu sais quoi, j'aurais dit pareil. Non, mais pourquoi? Parce que t'es discrète de ouf. Mais parce que je parle pas, j'observe. Voilà. Pour le coup, j'ai pas compris le move de la sorcière. Bah, je vous dis, faites-moi confiance. Pas bon. Comment ça, t'as pas compris le move de la sorcière? Ah ouais, gros, t'as tout vu, gros. Mais bon, on vient de ça. Le débat est clos. Vous demandez à 3 non, mais de voter contre une personne. Non, tu pensais que c'était moi, donc. 1, ah bon? 2, 3. Je pense que c'est unanime. Oh, c'était la game de chauffe. Oh là là. Et merci Dobby. Mais avant toi, t'es catastrophique, frérot. Dobby, te regardait comme ça, mec. Tu dis rien. J'ai rouvert les yeux, je l'ai vu voter. Je voulais pas bouger, du coup, j'étais comme ça et j'étais comme ça. Mais maintenant, j'ai capté, quand je suis le garou, je vais bien regarder la tête de tout le monde là qui sont comme ça là. Deuxième game, c'est parti, place au distributage des cartes. Distributage. Oh, arrêtez vous deux là, je frissonne. Vu que c'est la chaîne d'Inox, mais le loup-garou, je pense. Non. Je suis désolé, les gars, c'est pas très sexy. Arrêtez de toucher les cuisses. Mais arrête. Les amis, discrètement, prenez votre carte et découvrez votre rôle. Putain, mais chier. Ça va être intéressant. Putain. Comment ça va être intéressant? J'ai rien. C'est quoi, toi? Alors, je vais vous inviter tout de suite à vous endormir. Ok, Denis Brunier. Ça va, allez. Le village. Mais arrête de toucher ma cuisse! Tu peux nous la faire en anglais celle-là? Ladies and gentlemen! The village is ours! The village is people! The village is people! Ouais. Everyone sleeping! Oh! Oh yeah. C'était beau! The loup-garous réveillent! Je vais appeler les loups-garous à se réveiller. Les amis, les loups-garous, je vous laisse vous découvrir dans le blanc des yeux. Non, Apo, t'oserais pas. Bah super. C'est bon, vous vous êtes rencontrés. Je vais vous demander de vous mettre d'accord sur un festin. Une personne a dévoré. Regardez-vous dans le blanc des yeux. Les loups-garous, rendormez-vous. Et je vais maintenant appeler la sorcière à se réveiller. La sorcière, cette personne est morte cette nuit. Tu as deux pouvoirs, le pouvoir de guérison
et le pouvoir de mort subite. Décides-tu d'utiliser ton pouvoir de guérison pour sauver cette personne? Si oui, je vais te demander de me la désigner. Sinon, fais un signe nom de la tête, tout simplement. Le village peut se réveiller silencieusement. Ah, ça nique les yeux là! Oh, Inox, t'as les yeux un peu trop soufflés à mon goût. Gros! On est en deuil ce matin. Puisque Valouz est mort. Putain, on m'a pas sauvé quoi. Valouz, je vais te laisser dévoiler ton rôle. Putain. Auprès de tes amis. Dis-moi pas que t'es là. Villageois et traître. Il s'est fait cramer. Oh, il s'est fait cramer! Je me suis cramé! J'ai fermé les yeux, gros. Je me suis dit, je vais les ouvrir au deuxième round. Non, je te jure. J'ai même pas fait cramer. On m'a pas sauvé. Il est l'heure d'élire un maire. Je me présente. Décide de se présenter. Moi! Moi! Vous êtes trois. Le Bouzeux, Michou et Inoxtag. Je vais commencer par Bouzy. Pourquoi devrait-on t'élire maire de cette ville? Moi, je pense que dans ce village, il y a besoin de quelqu'un de mature. Quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Et surtout, quelqu'un d'honnête. Elle est là, ta cam. Regarde cette cam-là, t'as Bouzy. Elle est là, ta cam. Il a dit honnête, il regardait pas la cam dans les yeux. Okay. Valouz est un ami proche de longue date. Éclipsia, on s'en rappelle. Je me dois de le venger. Je me dois de le venger et je ferai en sorte d'écouter le village. Très important, l'écoute. D'écouter mes compatriotes. Moi, j'écoute. J'ai arrêté d'écrire. Et surtout, de demander aux abonnés de mettre un petit pouce bleu là maintenant sur cette vidéo. Le vote d'Inox. Les amis, je pense que dans ce village, il y a encore 4 villageois et une sorcière, donc 5 innocents. Ces 5 innocents devraient voter pour moi, parce que j'ai les clés en main pour faire gagner cette partie aux villageois. Des bonnes maths, hein, en tout cas, tu calcules bien, tout cas. C'est bon? Il reste encore je 7 prouve, joueurs. Je prouve que je suis un statisticien. Donc, si on part de ce principe-là, il reste encore 5 personnes innocentes. On en a eu une qui est morte cette nuit, et moi, j'en veux pas une autre, en fait. Encore une fois, je vais vous demander, pour les personnes vivantes, de lever votre main et de désigner qui sera votre futur maire. 1, 2, bah, votez moi, ouais. 3. Genre, j'ai fait un discours de malade, personne vote pour moi. Si, moi. Pidi, toi, t'es ma boss. 3 votes pour Michou, 2 pour le Bouzeux, 2 pour Inoxtag. Je vous ai niqué, Michou, je suis loup-garou. Et votre... Je suis maire, donc je vais prendre la parole. Valouz est innocent. Ça, je peux vous le certifier. Ouais, bah, c'est pas ça, vu la nuit, parce que ça marchera pas, mon gars. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos, mais je vais faire de mon mieux. Là, du coup, pour le débat, c'est comment? Allez, là, bah, là, j'avoue, j'ai pas d'idée de pour frère, qui on pourrait voter. Pour toi, effort, s'il te plaît. Là, mais... les gars, okay, j'ai pas d'infos, j'ai pas d'infos. On peut skip, mais c'est dangereux. On peut pas voter. Parce qu'on a déjà perdu quelqu'un. Moi, j'ai pas d'infos, donc je vais pas vous dire. Vous avez des infos? Si, on vote, hein. Moi, je suis pas maire, je parle pas. Tu sens pas Michou? Moi, je sens ni Doc ni Michou. Moi, je te sens. Non, mais élimine le maire. Rébellion! Vous perdez. Rébellion, bah après tu viens de parce qu'il m'a accusé direct, c'est pas une blague. Non, mais ouais, ça se voit, t'es un mytho. Analysez bien ce qui vient de se passer, la parole de chacun. Dodo, et on se revoit demain matin. Place au vote. Imagine, y'a quelqu'un qui trahit d'un coup. Moi je skip. Je vote pas, moi. Vas-y, on skip tous. Tout le monde skip, ouais. Voilà, mais dis toi aussi, tu peux lever la main. Doc, tu voulais pas, hein? Ah ouais, y'en a, il vote, il tue. Moi je me rappelle d'un mec qui a pas retiré la main de la tête. Allez, vas-y. Alors je vais vous demander le standard. Et je rappelle tout de suite les loups-garous. Les loups-garous, une personne c'était bien. Le droit d'en bouffer une deuxième. Qui? Décidez-vous de dévorer. Très bien. Doc, tu bouges beaucoup. Je vais demander au loup-garou de se rendormir et je vais appeler la sorcière. La sorcière, cette personne est morte. Décides-tu de la sauver, oui ou non? Très bien. Puis elle est en roue libre. Tu as encore le pouvoir de mort subite. Décides-tu de tuer quelqu'un ou rendors-toi? Je demande au village de se réveiller silencieusement, car encore une fois... Putain, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai vraiment dormi. Mais t'as les yeux éclatés. Mais je suis explosé. Apolline est morte. Apolline, est-ce que tu peux dévoiler ta carte? Fais attention de ne pas dévoiler celle à côté. Villageoise. Apolline était villageoise, les amis. On se réveille, les amis. Hein. Monsieur le maire, faudra dire des choses. Monsieur le maire, ouais. Monsieur le maire, il va sauter comme un popcorn. Les gars, réfléchissez, le seul qui peut. Mort. Place au débat, les amis. Les gars, réfléchissez. La petite fille est morte. Comment voulez-vous que j'enquête pendant la nuit? Non, c'est pas pour ça. Moi, je justifie. Il y avait une embrouille entre vous deux avant qu'on se coupe. Ah, ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que les loups-garous étaient malins de tuer Apolline. Parce que Apolline. Apolline l'avait accusé. À m'accuser. Donc, les loups-garous étaient malins de tuer Apolline pour me faire passer le bourrichon. Mais moi, je pense que vraiment que Doc est très bizarre. Mec, toi aussi t'es d'accord? Mec, ta manière de parler. Mec, il est comme ça! Mec, j'ai envie de sève pour tuer là! Ça fait 3 fois je demande une passe pipi! Non mais hé là, ça se voit, tu commences avec tout! Vas-y, votez WAM, sortez WAM que j'aille sève là! Votez WAM! Passe au vote s'il vous plaît! Non mais attends, Doc, toi t'as des soupçons sur quelqu'un? J'ai aucun soupçon, frère, je sais. Normal, t'es loup-garou! Oui, je suis loup-garou, votons sur. Mais gros, j'ose faire ça en loup-garou! Est-ce qu'on vote? Les amis, place au vote! Vas-y, on vote Doc comme ça! Mais par contre, si on se trompe. En plus, Pidgey a dit que j'avais bougé cette nuit et tout, c'est ouais. Si on se trompe, on est dans la merde. Mec, si on se trompe, place au vote! 3, 2, 1. Je crois que c'est unanime. Oh, j'ai pris 2 votes quand même, hein. Ouais. Oh, Bouzy, t'essaierais pas de sauver ton petit bizarre. Copain? Non, moi je suis juste le seul que tu sois maire en fait. Dégagez. C'est vrai que t'es quand même un bon maire de merde, quoi. Bah, alors, Bouzy, malgré ton somme, c'est Doc qui est éliminé. Ouais. Doc, est-ce que tu peux nous dévoiler ton rôle? Ah, allez, je le savais! Je le savais!
Mais mec, c'est une intuition de bâtard. Les gars, je serais pas aussi con. C'est le seul qui a. Eh, vous dites, tu vas sauter comme un con. Les gars, mais les gars. Garou, il aurait pas voté. De toute façon, y'a plus de débat. Mais les gars, vous êtes débiles, je suis pas con non plus. Forcément, c'est pas. Y'a des quotas, bah non. Y'a plus de débat. Le village s'endort. Jésus est ton loup-garou. Il n'en reste plus qu'un. Je vais lui demander de se réveiller. Oh bah tiens. Oh le bouseux. Oh mince. Vous dites, tu bouges à côté de moi, dis donc. Apparemment, on est toujours dans ta gueule, s'il te plaît, parce que je suis villageois, donc si tu veux qu'on gagne, ce serait pas mal. Il va falloir que tu venges ton ami décédé. Tu es par les villageois. Au début, Dobby. T'as dit il. Bah oui, Dobby. Bah c'est un loup-garou. Qui décides-tu de dévorer cette nuit? Très bien, je te rendors. Je vais appeler maintenant la sorcière à se réveiller. La sorcière, cette personne est morte cette nuit. Décides-tu d'utiliser ton pouvoir de guérison? Oui ou non? Très bien. Tu as un pouvoir de mort subite. Décides-tu de l'utiliser? Oui ou non? Sinon, tu peux te rendormir. Je vais te laisser me désigner quelqu'un. J'ai bien pris ta réponse. Tu peux te rendormir. Et je vais appeler toutes les personnes qui vivent dans ce village à se réveiller. Waouh! Il fait semblant là aussi. Ah! Comme toutes les nuits depuis le début, personne n'a été épargné. Mais attends, mais la elle sorcière, elle sert à quoi, frérot? Attends, mais c'est pas sûr, ça, c'est la potion de la sorcière. Ah. Mais j'avoue. C'est le bouseux. Bah voilà, bande de bolos. Le bouseux, je vais te laisser dévoiler ton rôle à tes voisins. Bah oui, mais je peux pas les donner. Hein. Dis oh. Le bouseux était villageois. Oh, dis donc. Non, mais si le loup il t'a tué tout, il est vraiment con. Bah oui, bah oui, mais c'est à pas. Ça peut être que Michou dans ce cas-là. À partir de maintenant, place au débat. Allez, moi je vais vous dire un truc. Voilà, donc les villageois qui restent, c'est fini. Doc, le seul Doc, hein, il a voté. Il y a personne qui a voté autrement. C'est Doc, il a voté Michou, alors qu'il était le garou. Mm. Il vote son pote pour que personne dise que c'est lui, quoi. Non, non, non. Non, non, oui, oui, oui. Après, c'est Dobby, regarde, tu te souviens, Dobby. Mais oui, je suis mort. Je réfléchis depuis tout à l'heure. Mec, en vrai, ce move-là. C'est pas les loups-garous qui ont tué Bouzy. Moi, je pense que c'est pas les loups-garous qui ont tué. Qui dit mais, hé, les gars, depuis le début, c'est bon, lui, il parle pas, gros. Michou, il s'énerve trop. Ça se voit, c'est Michou, frère. Simple, il a voté Michou. Vas-y, bah, gros. Mec, j'ai hâte de te montrer ma carte. T'es mal, il parle plus. Mais lui, il est mort, frère, lui. Mais où? Mais toi, tu parles de moi? Non, tu parles de moi. Un, deux, trois. Je pense que je saute, ouais. Michou, je suis désolé. Un loup-garou, par contre, my bad. Ta sanction, moi que c'est un loup-garou. Michou, je vais te laisser dévoiler ta carte à tes voisins. Tu dois donner le maire. Ah oui, donner le maire, ça va se jouer sur ça. Et après, alors tu dévoiles ta carte. Je tiens à dire que le bouseux, c'est moi qui l'a tué. Putain, j'ai cru que c'était la carte du loup-garou. Je vais pas le dire. Bah mais du coup, on sait que t'as utilisé, c'est pas les loups qui l'ont tué. Ouais. J'ai pas tué le bouseux. Tu étais maire de ce village. Maintenant que tu es mort, il va falloir que tu donnes ton rôle à quelqu'un d'autre. À qui décides-tu de le donner? Sachant que ce choix, le choix que tu vas faire. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai vraiment aucun soupçon sur personne. Va tout changer. Je vais donner mon médaillon de maire à Pidi. Ah ouais? Ok. Et je prends ce rôle à cœur d'un rôle très très pur pour dire de voter Inox parce que du coup je pensais que c'était Michou. Et au final c'est toi Inox qui est le plus chouette. De toute façon là, t'es juste maire. Hein. Ouais, t'es juste ouais, maire. Ouais, mais je vais vous dissuader. C'est pas ce qui va se passer pendant la nuit. C'est à qui donner ta médaille. Pas moi, Pina. Le village se rendort. Je vais appeler l'ultime loup-garou à se réveiller. Je pense que tu as faim, comme toutes les nuits. Tu as envie de manger quelqu'un. Et j'ai très vite pris connaissance de ta décision. Donc tu peux te rendormir. Il y a plus de sorcières, donc le village se réveille silencieusement. Franchement, je suis choqué. Et attristé par la mort de Pidi. Il va falloir que tu nous montres ta carte. Là, j'étais villageoise. Hein. Et je me dis que c'est vrai que j'ai des soupçons sur Inox, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Dobby est très silencieux. Et en plus, il me regarde même pas dans les yeux. Mais t'as plus le droit de parler. T'as plus le droit de parler. Là, je vais juste te demander de donner ton rôle de mère à l'un des deux. Bah, je dirais Dobby. Tu donnes ton rôle à Dobby? Ouais. Ton rôle très de bien. Quoi? De mère. Pas sûr que tu viens. Attends, mais. Là, elle est morte. Elle est plus mère. Il vous reste. Elle accuse Dobby. Les amis. C'est vrai, elle a dit. Vous êtes plus que deux. Vous pouvez tout le temps regarder que cette cam là. Je vais vous demander. J'râle. Mec, j'ai pas voté pour Pidi. Attends, faut voter. Pourquoi je vote contre lui? Moi je vote contre lui. Bah du coup il y a égalité, j'ai devoir donc. Bah désolé, hein, j'ai dit qu'il a. Donc Dobby, Inox Tag, tu es mort. Dévoile-nous ta carte s'il te plaît. Dobby, dévoile-nous ta carte. D'accord, il a bien joué. Les amis, vous pouvez discrètement retourner vos cartes et découvrir votre rôle. Ça va être intéressant cette game. Ouais, moi aussi. Franchement, là je suis hyper. Ça c'est le chasseur. Mais toi t'es trop bizarre. À chaque fois je saute premier. Les amis, vous avez pris connaissance de vos rôles. Le village s'endort. Je vais appeler les loups-garous à se réveiller. Les loups-garous, s'il vous plaît, regardez-moi. T'es mignon. J'ai bien pris connaissance de qui était loup-garou. Les loups-garous, avez-vous faim cette nuit? Qui avez-vous envie de dévorer? Je vous demandez d'être discret, de vous regarder dans le blanc des yeux pour prendre votre décision et de m'indiquer discrètement. Qui vous voulez tuer? Je vais appeler maintenant la sorcière. Sorcière, réveille-toi. Comme tu le sais, tu as deux pouvoirs. Celui de guérir et celui de tuer. Cette personne est morte cette nuit. Décides-tu
de la sauver. Sinon, je te laisse indiquer par un signe de tête. Très bien. Et Balousinox, vous êtes bizarre. Le village peut se réveiller silencieusement puisque. Nous apprenons. Pareil, frère. Je te frotte les yeux avant. Nous apprenons la mort de Dobby. Dobby, montre-nous ta carte, s'il te plaît. T'es mort ouais. Dobby était villageois. On va élire un maire qui te présente. Allez. Pour être maire. Non mais les gars. Mais wesh ouais, les gars. Mais présentez-vous encore plus nombreux. Inox, okay. Je vais te laisser présenter ton programme. Moi j'ai vu qu'il y avait des problèmes de surconsommation dans notre village. Trop long. Pollution. Ouais trop long. Et du coup j'ai envie de faire un village sain et recyclé. Ah ouais. T'es au courant qu'il y a des morts actuellement. Et ton problème c'est la pollution. Ouais mais justement ça permettrait une meilleure cohabitation. Et après on est tous ensemble et okay. Ça va bien. Bref votez pour moi, vous pouvez me faire confiance. Débat présidentiel. Moi je suis une personne de confiance. Et tout ce qui va sortir de ma bouche, c'est la vérité. Elle parle comme dans Secret Story. Ça, c'est une belle présentation. Moi, je viens me présenter parce que je me suis pas présenté encore. Je tiens à me présenter parce que bah voilà, je suis quelqu'un de très fort stratégiquement parlant. T'es quelqu'un ? Et je pense que je peux vous aider à avancer pour découvrir le meurtrier afin que nous n'ayons pas à déplorer d'autres victimes. Magnifique, c'était magnifique. Allez, suivant. Le bouseux, pourquoi doit-on voter pour toi ? Je suis passé à ça au mandat d'avant. Je retente ma chance. Et cette fois-ci, j'ai pris de l'expérience. J'ai pris en maturité encore une fois. Je suis au top de ma forme. Votez pour moi. On vote ? Je vais vous demander de lever le bras et à mon top, vous allez désigner qui vous voulez voter. 3, 2, 1, top. Alors, je crois que c'est vous. Ouais, c'est bien, Inox, merci. Doc. Ok. Le bouseux et le. Zeus. Il y a eu son mandat. Oh. Pour commencer ce débat, bah déjà, les gars. Non, mais c'est bon, allez. Je pense qu'on a aucun soupçon hein, pour faire ça. Et moi, j'ai des soupçons sur toi. Non, j'ai... Ah, c'est... ça l'a rassuré, hein. Non, mais je veux me mettre en image avec moi, donc il faut que je sois gentil avec vous, donc n'hésitez pas poche. Ah, ouais, voilà. Sinon, tu m'auras insulté. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, les gars, à dire votre point de vue, et moi, j'appuierai ou pas. Moi, j'ai des soupçons sur personne. Juste Valouz qui, peut-être, fait semblant de me regarder en mode je suis loup-garou. Je pense que si Inox était après, Valouz, loup-garou, il aurait rigolé. Il aurait rigolé. Il aurait rigolé. T'es en train de rigoler, boulot. Ça en va, il a un truc stylé dans sa carte. Mais comment t'es déstabilisé là? Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord? Il n'est pas encore l'impression malheureusement. Je prends la parole, je ne vois pas skip et chacun vote pour lui. Ouais, je suis d'accord. Alors le village s'endort. Ah, un fond. Je vais appeler les loups-garous à se réveiller. Les loups-garous, vous faites déjà c'est tout, vous allez vous cramer les gars. Les loups-garous, morts de faim. Qui décidez-vous de dévorer? Vous êtes mis d'accord? Les amis, j'espère que vous avez bien mangé. Il est temps de se rendormir. La sorcière peut se réveiller. Cette personne est décédée cette nuit. Décides-tu de la réanimer ou non? Très bien, j'ai pris connaissance de ta réponse. Tu as toujours ton pouvoir de mort subite. Décides-tu de l'utiliser? Tu peux te rendormir. Putain, j'ai bien dormi. Oh, car une personne ne va pas se réveiller ce matin. Une personne. C'était tout. C'est la vie. C'est le pire qui m'a gros. Balouz. Oh non, mais Balouz, il a même pas joué de avant de mourir. Peux-tu nous dévoiler ta carte? Ouais, franchement, je me suis éclaté ce soir, hein. C'était bien. Mec, t'as fait 3 villageois. Je fais peur aux loups-garous, apparemment. Je sais pas pourquoi, mais je fais peur aux loups-garous, ils veulent pas me voir jouer. En fait, non, c'est parce que tu es loup-garou, ils te les amis. Parce que t'es le plus gros. Ouais, mais on est jamais gros, on est tellement beau que ça dépasse. Il y a des soupçons, tu l'as mangé. T'as pas de soupçons? Moi, personnellement. Ah, pour des soupçons? Moi, j'ai des soupçons. Pour? Pour Pity. C'est vrai que je la rejoins plus ou moins. Pity, tu m'as l'air vachement content. Pity rigole pas. Mec, si elle est loup-garou, c'est une masterclass. En fait, j'ai faim. J'avoue que je suis euphorique. Et je suis pas loup-garou. Parce que si j'avais... Le j'ai faim, il était bizarre. Ouais. Non, mais je suis pas loup-garou. Parce que si j'avais été loup-garou, bah j'aurais bouffé Valouz et j'aurais déjà eu un effet de satiété. Cette défense éclatée. Et tu m'as fait au sol. Moi je pense que Pity, c'est, elle peut pas vraiment. Pourquoi elle tuerait son mari? Bah oui, bah, les stratèges disent ce que je ressens et croyez-moi. Michou. Vous y les verts, je reste Michou encore. Moi je suis le gars sûr. Hein. Ouais, t'es le gars sûr, ouais. Pourquoi? T'es rough, je teste. Et quoi, je teste tout le monde. Apolline suspecte Pity, Doc Pity. On va dire sa façon d'être, elle est pas comme dans les deux games d'avant. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai que là, elle est très... Là, elle est en détente déjà, elle a étendu ses gens. Là, sans les détendre. On a l'impression qu'elle a fumé un gros... Là, on sent le pouvoir, tu vois, le pouvoir de vie et de mort. Peut-être Pity. On partira sur Pity. Bah, votez pour moi. On part sur un petit... Les amis, place au vote. 1, je vote pas. 2, 3. Pidi, je te laisse dévoiler ta carte. Bah j'avoue, j'ai voté Valouz parce qu'il savait déjà. Aïe 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 aïe. Valouz, il savait. Hé, Doc, dis quoi? Bien vu le village. Oh yes. Avant de vous rendormir. Il me semblait bien que j'étais entouré de mauvaises ondes.
Comment tu savais? Je l'ai regardé dans ses yeux. C'est tout Val. Je vais appeler pour ceux qui restent en vie. L'ultime loup-garou, s'il te plaît. Il va falloir que tu venges ta collègue. Qui décides-tu de dévorer cette nuit? Très bien. Je peux te rendormir. Je vais appeler la sorcière. La sorcière, réveille-toi. Cette personne est décédée cette nuit. Décides-tu de la guérir? Oui ou non? Tu as une potion, comme tu le sais, qui te permet de tuer instantanément une personne. Décides-tu de l'utiliser? Oui ou non? Très bien, peut te rendre en... Les amis, je vais vous demander cette fois de respecter le silence en vous réveillant, car la nuit a été très sombre, puisque deux personnes sont parties. Je vais demander à Apo de retourner sa carte et de nous montrer qui elle était. Et... Putain, c'était la voyante. À Inoxtag. Il y en a un qui va sauter, là. Oh, il y en a un qui va sauter, là. Il y en a un qui va sauter. Et celui qui va sauter, c'est toi. Parce que t'as défendu Pide jusqu'à la fin de tes jours. Tu sautes. Monte ta carte. Attends, bah non, on est plus trois là. Les amis, c'est quoi ça? Tu sautes! Il a le droit de tirer une balle sur quelqu'un et de l'éliminer instantanément. C'est un carnage! Non, c'est apparemment, ta décision est prise. Tu valides? Quelle était ta carte, s'il te plaît? Village, moi. Attends, qu'on est. Donne ton mère. Tu sais qui va sucer mieux là! Tu es décédé, mais tu étais mère. Faut que tu. Donne ton rôle à quelqu'un. Il reste plus que moi et d'autres. En vrai, j'ai fait une erreur. J'ai fait un mauvais choix. Je pensais faire le bon choix, j'ai fait le mauvais choix. Mais si tu me donnes ce rôle de mère, je t'assure que je ferai le bon choix. Il y en a pas 15 000, il y en a 15 000. Pour moi, ça peut pas être Michou. Pourquoi? Parce que c'est Doc qui a lancé la mode depuis. Mais là, ça, je suis stressé là. Pour moi, c'est. Bah, je donne mon rôle à. Après la pub. Donne ma carte mère. De mère à Doc. Oh yes, merci mec. Oh non. Bah Michou, tu sautes hein. Dégage. Michou, oh, bah ouais, je vais sauter. Ouais. Oh ouais, j'ai trop le seum. Mais pourquoi tu t'es pas défendu? Mais attends, c'est mais qui parce qu'il y a pas le droit de parler. Bah je pensais pas. T'as gagné? Je pensais pas. Michou, bah, peux-tu nous dévoiler ta carte? C'était Lucas. Oh, oh Doc, ah moi, Doc Jay-Z a dévoilé son rôle. Et vous allez pouvoir le féliciter puisqu'il a fait gagner les villageois au lieu de. Ouais mon gars. C'est gagné. Quel est tirage? Donc les 3 games sont finies. J'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ouais, c'était carré en vrai. Ouais, lui il est mort. Moi je pense que celui qui s'est le plus amusé, c'est Val. J'ai perdu la première fois. T'es en MG aussi? Comme dans ta vidéo. Ah non, c'était. Ah non, c'est pas grave. T'es amusé, Valou? Ouais, franchement, je m'amusais. Moi voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à tout le monde. Mettre la cloche, tu connais, le pouce bleu, le commentaire. Sur ce, je vous dis bye tout le monde. Passez une bonne soirée. Ça fait plaisir. Tous. Ciao les gars.